Et cucu YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Not So Berry! Eh oui, aujourd'hui on a un objectif, hein, je dis ça mais je sais pas si je vais le réussir, de finir la génération prune. Mais... Ils rigolent dans leur lit. Mais je ne sais pas, hein, on verra bien si on y arrive. Ouf, bah merde, alors... Elle va y aller toute seule parce que, ben voilà, j'ai oublié. Sachant qu'elle a... Alors, petit rappel des règles. Elle va aller bosser, sauf que comme elle est passée adulte la semaine dernière, ben, il faut qu'elle change de taf. Bon, ça s'est passé trop vite, j'ai pas eu le temps démissionne avant. Donc, c'est pas grave, elle ira bosser là et elle le fera son taf après. Ah, on a un bébé qui pleure, merde. Papa! Papa, change la couche, après les gosses. Ils vont tous dégager en même temps, ça va être bien, on va être tranquille. Va falloir commencer à créer tes propres mèmes post-célébrité. Ah bon, pourquoi faire? Ah bon? Célébrité de quoi? Bon bah écoute, en même temps tu travailles dur, on s'en fout parce qu'il faut que tu changes de boulot. Ah! Mon pauvre petit, comment il s'appelle? Copper! Alors... Je pense que vous aviez pas vu Copper relooker, ce qu'on l'a fait hors enregistrement. Regardez cette bouille. Regardez cet enfant comme il est mignon. Hein? À voir, mais là, il va aller à sa première journée d'école. Tout fier comme il est, regardez-moi ça. Il est fier comme un coq. Il pète plus haut que ses fesses. Donc cette baraque est... Bon, c'est vrai qu'elle est grisâtre, hein. C'est vrai qu'elle est moche un peu, hein. Faudrait voir qu'est-ce qu'on fait comme couleur. Et puis, bah, objectif, Lila, parce que j'ai pas eu le temps de lui faire prendre des vacances là. Ça craint pour qu'elle augmente ses compétences. Puisque là, on a fini son aspiration. Mais nous devons encore. Donc, on a deux compétences niveau 10, mais il faut qu'on en ait 6 niveau 8. Donc, on a une, deux, trois, quatre. Il faut qu'on augmente encore la physiologie et bah, la logique. Mais la logique, c'est long. Donc c'est chiant, mais on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça aujourd'hui quand même, avec entrain, évidemment. Salut Rémiley, comment tu vas? On a plus de jus. Non, on en fout tout à la garderie, on s'en fout. Regardez-moi ça, ces gosses. Bah, ouais, vous voyez rien. Ah bah, pouf, elles ont disparu. Temps libre. Lila a terminé une tâche plus tôt que prévu. Que doit-elle faire? Elle cherche une œuvre d'art ou elle écoute de la musique? En même temps, on s'en fout. On n'a pas d'objectif avec sa carrière. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est le chat qui choisit. Ah oui, Madame J, hein. T'as pas regardé les rediffs du coup? Mais ouais, là, ça y est. Hein. Lila, elle a pondu. Hein. On a bien avancé. On n'est vraiment pas très loin de finir cette génération. Donc c'est vraiment cool. Parce que ça... y avait énormément de choses à faire avec elle et j'avais peur de jamais y arriver. Et là, elle vient juste de devenir adulte et on est pas très loin de la fin. Donc on est bien. Les gens se ressemblent tous. On win ou on lose. Pour l'instant, oui, parce ils sont petits. Mais oui, à l'adolescence, on verra quelle tronche ils ont, quoi. Œuvre d'art. Bon, bah nickel. Hop. Et c'est un petit gain de performance. Moi, je m'en fiche, ça me va. Le petit, il va faire des amis. Hein. On n'oublie pas que... Bah même il y a que Fox qui est pas grisé, mais il est pas là. Le petit dernier que j'avais oublié le nom. Oh, elle a acquis compétence po! C'est bien, ma petite SN7. C'est bien. Ouais, on a bien avancé. Moi, je suis plutôt contente. D'ailleurs, toi, tu vas travailler dur. Parce que lui, mine de, sa carrière, il est bien. Hein. On est au niveau 7, alors qu'on s'en fiche, en fait, de sa carrière à lui, mais on a bien avancé. Par contre, il pue sa mère. Ah merde, il y a de la bouffe. Tout frugal, quand même. Ça du gâchis. Bon, je sais plus à quelle heure il rentre. Voilà, on se fait chier hein, pendant ce temps-là. Lui, il a 18. Et elle a 17. Et lui, il rentre à 15. Donc, bah, il va rentrer en premier. Ce sera Copper, hein, notre aîné, qui va rentrer en prom's. Il pourra faire ses devoirs. Parce que... Je suis en train de regarder, mais de toute façon, elle a déjà l'éducation à 10. Donc, elle pourra pas mieux faire. Ça, hein, il fera ses devoirs tout seul, comme un grand. Il y a des nouveaux trucs avec les QQ points. Oui! J'essaye de mettre des choses un petit peu...
Je m'inspire d'autres streams aussi parce que je sais pas trop quoi mettre, mais. Et Nunu n'est pas encore claqué! Ah bon, pas tarder, et c'est là que. Et c'est là que dans les 3 secondes. Ouais, on va accélérer le temps. Copper a rencontré Alexandra. Mais c'est bien ça. Et voilà, il a terminé l'école. Regardez ce petit garçon qui est plutôt pas mal. Ah, oh, il est beau gosse. Et puis ses yeux avec cette couleur de cheveux, ça va tellement bien. Alors, il a besoin de quoi? Divertissement, hygiène? Ah bah, il va regarder un peu la télé. Ah oui, c'est vrai. Bah non, parce que tu peux pas payer les factures. Eh ben tu feras tes devoirs, tu te démerdes, écoute. Rien à foutre, allez, tu feras ça à la bougie s'il faut. Je m'en fous. Le pauvre gamin, déjà il est tout seul à la maison et en plus il y a des trucs qui puent. Tu feras le ménage après. Et il peut même pas regarder la télé, il n'y a pas d'électricité. Tiens, 3 dates et pub. Ah, ça fait vraiment genre. Tiens, 3 dates, c'est depuis hier. Et la pub, c'est depuis 2-3 jours. Alors, t'imagines? Ouais, il a les traits fins. Ouais, je pense qu'il a dû prendre ça de sa maman. Tiens, 3 dates, poirier. Oui, c'est ça, oui. Il est choupi, on dirait une petite citrouille. Mais arrêtez la citrouille! Bichette! Puis après, il pourra jouer s'il veut. Il pourra se laver d'ailleurs, oui. Peut-être qu'il pourra se laver. Jouer dans le bain. Pauvre gosse. Ça l'abandon comme ça. Bon, elle, par contre, dès qu'elle revient, elle démissionne. Ah, j'aimerais trop qu'elle prenne ses 4 jours de vacances pour qu'on avance, mais. Elle doit changer de taf, là. Elle est obligée. Ça craint. On se refait un karaoké à la fin. Bah, y a Valouchka Kaya qui doit rechoisir une chanson parce que celle d'hier, je l'ai pas faite. Enfin, j'ai pas été jusqu'au bout, donc. Oui, YouTube, parce que sur Twitch, il y a des récompenses. En fait, plus vous restez sur le stream, plus vous avez des petits points qui sont automatiques. C'est pas moi qui les donne, c'est Twitch. Et il y a des petites récompenses comme ça qu'on peut acheter. Et il y a des chansons, entre autres. Voilà. Tu pourrais mettre pour autant de points jouer aux Sims 10 minutes sans toucher à accélérer pause. C'est facile ça. C'est ce que je fais en général tout le temps. Hein. C'est parce que j'aime bien aller vite quand je suis en live avec vous. Non Bichette, va te laver, tu pues, s'il te plaît. Tu commences à sentir le fennec là. Ah t'es pas encore adolescent, donc c'est pas encore la sueur, les poils et tout qui font ça, mais bon. Est-ce qu'un enfant peut puer? Parce que je sais que en vrai, la sueur et tout, ça commence quand c'est l'adolescence, mais. Je pose des questions cheloues, moi, dans ma vie. Mais est-ce qu'un enfant, ça peut puer vraiment? Parce que ça. Enfin, je veux dire, même s'ils suent, ils ont pas de poils, donc en général, c'est ça qui fait que ça pue. Je sais pas. Bref, vous avez 4 heures. Vous voulez faire un exposé. Alors, oui, tu vas payer les factures, toi, d'ailleurs. Allez, 304 Simflouz. Après, tu vas démissionner avant. Merci, Camille, peut-être Cambr. Pour ton follow. Merci beaucoup, bienvenue à toi. Et puis est-ce qu'on n'est pas au 1400? Oh, punaise, il reste une personne. Pour arriver au 1400 follow sur Twitch, quoi. C'est quoi la pub? Bah écoute, c'est si vous achetez la récompense, je fais passer une page de pub sur Twitch. Il y a des gens qui vont la voir, il y a des gens qui vont pas la voir, et moi ça me fera gagner peut-être des centimes, quoi, en gros. Voilà. L'exposé sur la sueur. Oh, avec ce que tu veux. Tu peux me faire même une vidéo si tu veux. Je pense à toi, on a écouté Nuit de folie en faisant la cantine. Ah, j'aime tellement cette chanson. Ah, j'ai cru qu'ils faisaient le con avec la peinture. Et les gamines, elles sont revenues, les cocottes. Oh, purée, regardez-moi celle-là, comment elle pue. Ah, Bichette. Ah, allez, vous allez venir manger, la maman, elle va servir à bouffer. Toi, une fois que t'auras fait ça, tu reprendras une carrière. Putain, t'as cassé. Tu vas réapparaître. Hein. Les gosses, vous pouvez venir manger. Est-ce que lui, il a faim aussi? Il doit pisser. Oui, bah, il va pisser puis il va manger. Regardez-moi tous ces petits enfants oranges, là. Qui sont mignons.
Ouais, 952 boules. Putain, mais lui aussi il pue. Mais qu'est-ce que c'est que cette famille? C'est la famille qui pue. Ah, tu vas prendre une douche, toi. Allez. C'est fini. Bon, après, bon, bah c'est bien, il est rentré, donc elle aura pas besoin de s'occuper des gosses. Parce que pour laver la petite dernière, des filles. Parce que elle, après, elle va taffer. Hein. Elle a besoin de divertissement. Putain, tu fais chier, Lila. Elle est où? Ah ouais, elle est là. Oh, regarde. Et c'est vrai qu'il se ressemble. Il a la tronche de sa maman. C'est mignon. Qu'est-ce que tu pourrais augmenter? Ah, la responsabilité. Ah merde, je l'avais là, la logique. Brr, 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 brr. Moi aussi, je parle aux Sims. Pub à Bago, alors. Désolé, il y en a qui vont avoir un petit truc de pub, mais il y en a qui l'en auront pas. On est parti pour une minute de pub. Bien sûr, YouTube, vous ne l'avez pas. Enfin, du moins, j'espère. Ça va, j'ai mis que une pub par live, donc ça va, c'est pas beaucoup. Il est choupi, ce gosse. Franchement, il est mignon. Il peut être beau gosse, hein, en étant ado, hein, j'espère. S'il tient de son père, il va nous faire une Bordeaux ou une Pulcote. Hein. Alors, elle veut devenir artiste. Voilà. Elle va réparer, parce que bon, elle est plutôt calée en... Par... Qu'est-ce qu'est... Dis donc! Qui c'est qui aimait bien quand je faisais les enfants déjà? Qui regrette ce qu'il a dit? Donner un bain de mousse à Sunset parce qu'elle pue sa mère. Et toi, t'as réparé? Non, alors tu t'en fous, tu t'occupes pas des gosses, tu fais de la physiologie. Tu vas améliorer, agrandir la soute. Allez, c'est parti, t'as du taf. Arrête, Lila. Tu crois quoi là? T'as des jours de vacances? Eh, elle a déjà 3 jours de vacances, les enfants. Elle va pas aller travailler tout de suite, hein, moi je vous le dis. D'ailleurs, après, tu feras quoi? Tu prendras un jour de congé pour jour familial. Si c'est gratuit, on prend. On s'en fout. Est-ce que vous êtes de retour? Oui, normalement, oui. Normalement, il y a une pub sur Twitch. Mais ça dépend. Y a... Normalement, c'est ceux qui ne sont pas sub qui l'ont. Mais en fait, ça marche pas trop. Donc, y en a qui vont l'avoir, y en a qui l'auront pas eu. Mais merci pour ceux qui ont regardé la pub. Vous m'avez donné peut-être quelques centimes. Donc merci à vous. Alors pourquoi on fait de la fuséologie, hein? C'est pour sa compétence, pour terminer notre objectif de génération. Hein. Le but c'est d'arriver au niveau 8 de la fuséologie et au niveau 8 de la logique. Je pourrais faire le bricolage, mais... En vrai, est-ce que le bricolage, ce serait pas mal, je ne sais pas. Oui, bah tu feras crac-crac après si tu veux te remonter le moral. Mais nourris-le, ton gosse! Oh, quel mauvais père, celui-là. Incroyable. Il a dormi, il a fait dormir les... Oh, regardez, il s'est occupé des gosses. Merveilleux. 22h, lui, il est au lit. Bah, c'est très bien. Au final, il sert à quelque chose, ce mec. Hop, tu feras le ménage aussi, tu vois. Là aussi, il y a des trucs à acheter. Non, voilà. Il faut qu'il serve. Hein. Nous, on est focus sur Lila. Hein. Lila, une fois qu'elle aura toutes ses compétences de fait, que les objectifs de génération seront faits, on pourra s'occuper des gamins. Moi je l'ai eu une pub qui a... Ah mais même si t'es abo, bah, c'est bizarre. Mais en tout cas merci. Je l'ai pas eu, je boude. Oh bah, je suis désolée. Il ne sert pas qu'à planter ses graines ce mec. Non mais c'est bien. Niveau 7 de la physiologie. Yes, yes. Bit prout. Et cucu Marie, comment tu vas? Allez. Il y a encore le bébé qui pleure. Sert à quelque chose un peu, non? Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Non, tu vas réveiller personne. Tu vas faire une sieste. Non, mais dis. Oui, bah tu... C'est pas grave, tu te pisseras dessus s'il faut. Bravo, Céline. J'ai pas actué, c'est peut-être pour ça que je sais... Non, non, mais... non, non, mais je sais pas. C'est bizarre. Mais merci quand même.
Outre ton abonnement, tu vois, tu auras eu, tu m'auras donné des petites centimes de plus. Mais elle va nous le faire. Hein. Ça hurle dans les escaliers. Devinez ce qui se passe. Encore une fois. Eh ben, ça va bien être Marie. On est motivé là, à fond avec Lila. Finir la génération prune aujourd'hui, ce serait topissime. Même si j'ai des doutes, mais ce serait cool. Ouais, la pauvre là, elle galère. Hein. Elle va prendre une journée de congé. Ah, elle veut plus. Bon, allez, on va la mettre. On va lui faire prendre du bon temps là. Elle va pisser. Tu prendras un bain de mousse, tiens, alors, du coup. Eh, vas-y, cocotte, t'as le droit. Qu'est-ce qu'elle fait debout, celle-ci? Mais non, je t'ai dit. Va dormir, elle a fini sa sieste, c'est pour ça. Allez, cocotte! Pardon, excusez-moi. Il reste quoi à faire avec elle? Eh ben là, elle vient de changer de boulot, donc maintenant elle est dans la carrière artiste. Mais bon, elle vient de prendre un jour de congé pour raison familiale. Donc moi, je suis tranquille avec ça. Et bah, juste atteindre le niveau 8 dans deux compétences. Donc, qui sont la physiologie, ici, donc on est déjà un 7, et la logique. Et après, c'est bon, on a fini ses objectifs. Et on pourra s'occuper des gosses. Allez, c'est bon. Fais joujou dans la mousse, ça devrait aller. C'est pour ça que je lui ai fait prendre un jour de congé, parce que c'était... Non, carrière, on s'en fout. Ouais, c'est bon. C'est juste à l'âge adulte, elle change de carrière, donc là, elle vient juste de s'engager dans la carrière artiste. Mais on n'a pas d'objectif. Donc ça, c'est cool. Ça la divertit pas des masses. Eh, hein. Wajibou! Si tu veux, tu regarderas la téloche. Ah bah, il pleut! Ah, tu pourras pas aller travailler sur ta fusée. Va falloir que j'achète un... Une table pour... Enfin, une table. Je dis n'importe quoi. Un truc de logique. Hein. Une table d'échecs. Ah bah, une table d'échecs, oui, d'ailleurs. C'est bien une table, au final. Où est-ce que je peux mettre ça? Parce que... Mettre là, peut-être. Parce que je vais mettre le truc d'échecs, là. Échec et maths, qu'est-ce qu'il y a de moins moche pour mettre dans la maison? Bah rien, tout est affreux. Pas déconner, hein, c'est moche. Hein. Alors, ça, et hop, ça. Hop, ça devrait être bon. Tiens, alors, parce qu'il y a quelqu'un qui s'est plaint que la maison était moche. Parce qu'elle était grisâtre et pas très fun, je suis d'accord. Alors, est-ce que... en rouge... Oula. Mince. J'ai du mal à peinturlurer mes trucs. Je me demande si on peut lancer la pub quand il faut acheter le nom du bébé dans le Lego à 6 visages machiavéliques. Ça pourrait faire un sale coup. Alors. Bon là, c'est un peu plus vu, un peu plus vivant. On va peut-être changer le toit aussi, non? Là, il fait nuit, hein. Il pleut aussi. Qu'est-ce que vous voulez comme couleur de toit? Bleu. Oh mon dieu! Maudit! Merci beaucoup pour ton follow et je pense que tu es le 1400 ou la 1400e de la Twitch. Alors, mille merci beaucoup. 1400 follow, on y est, les enfants, je crois. Je crois qu'on y est, ça y est. Merci beaucoup! Mon cran est devenu noir, j'ai cru que j'avais la pude. Non, non, mais non, c'est tout à l'heure la pude. Bébé 4 en route? Mais non, Marie, il est tombé déjà le bébé 4. Merci beaucoup, Ilia, pour ton follow, merci beaucoup! Ouais, non, mais je pense qu'après, il y en a qui défollow aussi, donc des fois ça descend. Merci beaucoup! Voilà, un nouveau palier de passé grâce à vous. Ça fait extrêmement plaisir. Non, mais c'est bien comme ça, non? Allez, pas me casser les pieds, moi. Pas me casser les paupières, hein? Merci beaucoup, c'est adorable.
Et après, tu pourras jouer aux échecs une fois que tu te seras remonté un peu le divertissement. GG ma voilà. Poule. Agent 21, boule agent 21, boule agent 21, boule. Merci beaucoup. C'est quelle station de radio pour écouter les Sims? C'est rétro. C'est la station rétro. Oh mon dieu! Incroyable! Il y a des météorites qui ont détruit une ville. Oh incroyable. Pas dans les Sims 4 en tout cas. Regardez. Oh putain, il y a les aliens qui ont débarqué! Mais qu'est-ce qu'il fout debout lui? Non! Non! Jean-Claude, tu peux regarder la chaîne actuelle, mais tu retournes au lit après. Non, mais il croit quoi lui? Il est 4h du mat. Le gamin il se lève tranquille, genre ouais. Normal. Quelle est belle, Nautilla. Et son petit garçon. Ouais, ouais, vous voyez pas vous. Voilà. Ah, il est beau gosse. Il est beau gosse ce petit. Pour l'instant. On verra quand il sera ado. Eh, hey, suffit! Va travailler! Lui, il remonte son divertissement et puis il retournera au pieu. Vas-y, mais pourquoi il y a des putains de pigeons de merde dans la gare? Ah, les pigeons, c'est le mal de Paris. Eh, hey, retourne au lit! Dépôt de Satan, lui aussi, c'est un squelette là. Ça va le dernier, il est pas trop chiant. Il est pas trop chiant. Oh merde! C'était une petite surprise. Ah ouais, c'est ça. Bah, c'est pour ça que j'avais pas fait le truc avec Discord. C'est pour ça. Et mais coucou ma belle. Gros bisous. J'allais te l'annoncer bientôt, mais voilà. Non, il y aura pas de bébé 5. Il n'y aura pas de bébé 5, c'est bon. Il y en a déjà 4. On va pas se casser les culs avec un 5 bébé. Regarde, en plus, le dernier fait chier son monde. Bon, par contre, on a déjà le niveau qu'on voulait en éducation. On va pas aller plus loin. J'ai eu les pigeons avec leurs yeux rouges. Mais ils ont pas tous les yeux rouges, si? Je sais pas. Le truc, faire le lien Discord et Twitch. C'est chiant, c'est vraiment une plaie. Chez moi, mon voisin est nourri, du coup, il y a au moins 15 pigeons sur mes fenêtres tous les jours. Ah bah, moi, ils avaient élu domicile à ma fenêtre. Du coup, dans un rebord en dessous de ma fenêtre de ma chambre, du coup, je les entendais roucouler et niquer et tout. Ah, c'était super, c'était un loupanard, le bordel. Laisse tomber. Voilà. Allez, viens dormir, va. Parce qu'elle, c'est une petite dormeuse, mais il faut quand même qu'elle dorme un peu. Donc, sinon, c'est... Mais j'avais quelqu'un qui a fermé le tour. Parce qu'en fait, c'était un espèce de rebord qui était ouvert sur le côté, un truc en métal, enfin tout un bordel. Et il y a quelqu'un quand même de mon immeuble qui a été le reboucher. Parce que je m'en étais plaint quand même. Parce que oui, je me plains tout le temps. Et du coup, maintenant, ils viennent plus. Donc c'est un vrai bon. C'est un vrai pour le plaisir. Ah oui, là, il est pas content. Un gang bang de pigeons, c'est ça. Oh merde, le petit, il pleure! Je suis en accéléré. Non, mais viens t'occuper du petit dernier. Elle, c'est bon, elle va se débrouiller, qu'est-ce qu'elle a? Oh, elle pue seulement, ça va! C'est pas la mer à boire, j'ai encore bougé le tapis. Ça va, il y a pire dans ta vie. Tiens, joue. Attends, joue avec ça. Oui, bah si tu veux, tu feras des câlins aussi, si tu veux. Ah, un petit landau! Trop bien! Ah merde, Copper est déjà parti, j'ai pas... Ça va, il est pas dans le pire état. J'ai oublié de le gérer, je suis allée trop vite. Bon, arrête de monter tes compétences, toi, on s'en fout. Bah écoute, j'ai oublié de... Non, j'allais dire j'ai oublié de ranger la bouffe, mais ça va. Ils ont pas l'air d'un... Ça... Je sais pas. Bon, alors lui, puis toi, tu vas regarder la téloche, du coup, voilà. Elle pue seulement. Et elle aura faim. Ok. Bon, bah non, ça va, ça va. Elle travaille pas aujourd'hui, Léla, donc on aura le temps de faire de la logique. Un petit peu. Laisse-le s'occuper de son fils maintenant que la mère a plus besoin de se leur... C'est ça, c'est exactement ça. Salut Mel, comment tu vas?
Que veut dire tiens-toi droite dans le truc des points de chaîne? Eh ben, parce que là, tu vois, actuellement, j'ai une position où je suis un peu avachie. Le fait que si tu achètes la récompense, hop, je me remette comme ça. Ce qui est mieux pour mon dos, tu vois. Ah non! La coupure d'eau, mais il faut qu'on lave nos gosses. Trop d'eau a été consommée cette semaine. Casse les couilles aussi. Bon, on va acheter un récupérateur d'eau. Ah oui, d'accord. Charisme volume 1. Diplomatie pour les nuls. Bah tiens, ça devrait m'être utile, ça. Récupérateur d'eau. C'est où, déjà, ces trucs? Parce que comme ça, on pourra stocker et on aura de l'eau pour ces jours-là. Parce que, ben, pour laver les gosses, ça peut être utile. Mais on a... Qu'est-ce qu'on a acheté? Ah ouais, la truc de... Ouais. Je sais jamais où chercher, en fait. Ça me... Non, si c'est dehors. Activité d'extérieur. Oui! Alors, on va prendre un cher. Hein. Oui, bah c'est cher, oui. 1200 balles, c'est cher. Mais regardez, on va le foutre là, là. Plus il pleut, ça devrait aller. Ça devrait aller, ça devrait être bien. Et sur les factures, on va stocker. Voilà. Ça va, moins 15. Ça va, hein. Bah, toi, tu vas aller bosser. Hein. J'attends d'avoir les 1000. Bah après t'es pas... Tu peux cumuler pour autre chose, tu vois, tu fais ce que tu veux. C'est vrai, le coup du poirier. Oui, bien sûr, tu me vois faire le poirier peut-être. J'ai loupé des choses croustillantes. Aujourd'hui, là, sur notre berry, bah, elle vient de changer de taf, mais elle va pas aller travailler là parce que... en fait, je lui ai déjà fait prendre un jour de congé. Mais là, je suis motivée à lui faire finir les objectifs de la génération aujourd'hui. Voilà. Je me tiens droite. Ah, serre le ventre d'ailleurs même. Je devrais même mettre ça. Tiens trois dates et serre le ventre. Le truc qui coûte 5000 points. Faut pas déconner, non, ça fait mal. Moi j'ai du grain, hein, j'ai pas d'abdos. Je viens de voir une meuf qui a fait son masque avec une lingette de Swiffer. Puis alors ça doit sentir bon, tiens. Ouais, lui doit pisser. Et merci beaucoup, Milana, Miliana. Je ne sais pas comment dire ton pseudo. Merci beaucoup pour ton follow. Et bienvenue. Mielana, ouais, Mielana. C'est joli, ça. Pas de soucis, Mel. Merde, c'était quoi, Kek? Ah, il part travailler. Bah, il a même pas eu le temps de pisser. De lâcher le dernier bout de crotte. Il est pas tombé, le dernier bout de crotte. Il n'avait pas eu le temps. Ce gamin, il fait ça. Ok, Lila, tu peux te lever, s'il te plaît. Tu vas pas passer la journée à dormir. Hein. On t'a pas acheté le truc pour rien. Tu vas faire du pain perdu, comme ça les gamines, elles auront à bouffer. Bon, ça flotte à mort, donc tu vas... T'iras pas faire ta fusée. Alors, les loulous, nous avons... Ah bah, Copper, le fils aîné qui est à l'école... Nous avons cette première jeune fille qui s'appelle Autumn, qui est complètement cracra, qui pue sa mère. Nous avons Sunset, qui est la deuxième fille. Et le dernier, c'est un petit garçon qui s'appelle Fox, comme le renard. Voilà. Qui a un bon choix de prénom. Alors Autumn et Sunset, j'aime beaucoup. Mes Copper aussi, et puis Fox aussi. Donc je suis contente pour les prénoms, je suis pas déçue. Pour une fois, les abonnés ont fait le bon choix. Parce qu'on est passé à pas loin d'avoir Mimolette et Cheddar, hein, en nom d'enfant, donc je vais pas me plaindre. Comment ça, tu es Sunset? Pourquoi? On est géniaux. Et salut Sam, comment ça va? Parce que tu voulais que ce soit Aurore, c'est ça? Eh, c'est pas vrai. Alors Marie, je t'interdis de dire que je ne voulais pas, je les ai mis dans le sondage. Vous auriez voté pour Cheddar ou pour Mimolette, les enfants se seraient appelés en conséquence. C'est vous qui avez choisi, c'est le chat, c'est pas moi. Moi, j'ai ouvert au vote, hein. Donc je n'y suis pour rien. Moi, j'ai joué le jeu. Je me suis dit, allez, pour vraiment rigoler, s'il faut rigoler, ben je vais mettre ça. Vous n'avez pas voté, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oh, merci Madame J pour ton abonnement. Gros bisous à toi, merci Smiley Bull, t'es adorable, merci beaucoup.
Elle aurait dû s'appeler Aurora. Mais oui, mais pareil, hein, tu t'en prends aux gens du chat, hein. Moi, j'y suis pour rien. Moi, j'y suis pour rien. C'est votre problème, hein. Vous réglez vos avec les le chat, là, c'est... Voilà, vous réglez entre vous, hein. Tu peux essayer de bloquer les personnes qui n'ont pas voté pour ton prénom, et puis voilà. Tu demandes qui a voté et que je le bloque, et puis voilà. Tarte-toi tes petites fesses. Il y a une brochette de fesses bleues là dans le chat, laisse tomber. Hein. En même temps, c'est normal, c'est les 3 mois, et après, il faut attendre 6 mois. Après, c'est un peu plus bleu, 6 mois, j'avoue. Shedar, il me semble que tu l'as pas mis en choix. Si! Si, j'ai mis Shedar. Je l'ai mis pour Fox d'ailleurs, mais c'est Fox qui a gagné. Et j'espère qu'ils vont pas nous, il va pas nous cramer l'orage là, parce que s'il nous crame un des deux trucs, ça va me casser les pieds. Je pense pas qu'on puisse, ouais. Ah si, on peut donner un bain, mais pas un bain de mousse. Comment ça se passe? Sur la facture, non, bon, on a pas encore beaucoup. Pourtant, ça flotte, hein. Hein? Et ça récupère pas trop, hein. Et non. Bon, bah, les gamines, désolé, mais il faudra attendre la fin de la journée pour que vous laviez le cul, hein. Je suis désolée, mais... Alors, on n'a pas de chance non plus, parce que les filles ont toutes les deux la même couleur d'yeux. Les yeux clairs de papa. Donc, à voir à l'adolescence si elles se ressemblent ou pas. Hein. Mais après, elles sont pas dégueulasses pour autant. Voilà, pour l'instant en tout cas. Qu'est-ce que tu fais toi? Je te surveille. Cette tronche malheureuse. Tu peux pas aller sous la pluie là, te laver? Vas-y, va te laver sous la pluie. Viens là. Et c'est là qu'elle se fait foudroyer. Ça pourrait être drôle. La team fesse de Schtroumpf, c'est ça. Ah, Rimley, bah ouais, bah c'est pas grave si tu t'as pas de fesses. Du moment que t'es là, moi ça me suffit. Oh la vache. Ça tonne dehors. Moi je refais encore. J'ai pas voté, je suis mineur, mais bien sûr. Magie Pépé, la SNCF vient de changer la numérotation des places alors que les gens sont déjà dans le train. Mais quelle bande de mongols, singe de la sagesse aveugle, visage qui lève les yeux, singe de la sagesse aveugle, caca, caca. Caca. Mais oui, c'est vrai, Madame J, ta petite biche. Oh, tu lui feras un gros bisou de ma part, tiens. Moi, j'ai les miens qui roupillent, là. Pff, rien à foutre. Oh, Jonathan, j'ai cru que c'était une fille sur le coup, hein, avec les cheveux longs comme ça. Bah alors, tu t'es pas lavé? Bah ça l'a fait marrer. Et tu peux pas aller aux toilettes, toi? Non. Oh, ils sont chiants, ces gosses. Ils savent rien faire tout seuls. Pauvre gamin. Toi non plus, tu peux pas aller aux toilettes? Non, oh mais c'est pas possible, ces gosses savent rien faire de leur vie. Oula, la vache. Ah. Il a fallu que je valide. Hein. Caca, 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 caca. Bah ouais, d'un seul coup, il y avait trop de caca. Elle était pas contente. Le un seul, ça passe, mais... Genre, ça a bloqué caca. Ouais, ouais, ça a bloqué caca. C'est l'automode, hein, c'est pas moi. Hein. Alors, t'en es où, toi? Parce que heureusement qu'il flotte. Hein. Bon, on en est loin encore, hein, du niveau 8, hein, la vache. Ah non, le petit, il pleure! Merde, t'aurais, tu sais, on aurait dû prendre une nounou rien que pour aujourd'hui, quoi. S'il veut, il a sûrement faim. Parce que tous les bébés ont faim chez moi. C'est bizarre d'être dans Willow Creek, ça fait longtemps. Caca. Ça me rappelle les heures sombres où certains s'amusaient beaucoup trop avec... Mais va t'occuper de ton gosse parce qu'on va te... Arrêtez de dire caca, les gens vont me regarder chelou dans le train. Je suis pliée en deux sur mon siège, j'ai 3 ans. Je confirme. Bisous fait. Oh, trop bien.
J'attends de voir le coup de cœur pour un chaton, mais je vais pas tarder à en prendre un. Oh oui! Prenez tous des... Prendez tous des chatons! C'est trop bien, les chatons! Bon, ça va, t'es rentré, toi? Bah écoute... Ah non, tu vas être gentil, tu vas me faire la vaisselle avant. L'exploitage d'enfants. Écoutez, il faut bien qu'ils servent, non? En attendant que le père rentre et s'en occupe... Ça va, il va bien le gamin? Toi, bah tu vas aller au pisse-pousse-pousse. Et puis tu vas rejouer. Il faut augmenter ta logique, hein, cocotte. Moi voilà, il a sa responsabilité, bichon, qu'est-ce qu'il a? Ah, il a fallu se prendre un éclair sur la tronche. Quel dommage, il ne l'a pas eu. Qu'est-ce qu'elle... Elle a été où, elle? Elle a été dehors. Mais regarde, t'as un coin-coin là, joue avec le coin-coin. Vas-y, amuse-toi. Nous on est focus Lila. Aujourd'hui on s'en fout, on fait rien d'autre que Lila. Bon, on s'assure juste que les gamins meurent pas. Hein. C'est le minimum. Je veux un écaille de tortue, vers chez moi il n'y en a pas. Ah mais c'est que c'est un sale caractère ça. C'est un sale caractère ça. J'aimerais bien prendre un chat à Malte, mais j'ai peur de pas pouvoir le ramener. C'est possible d'amener, mais il faut que t'aies dans un panier et tout. Mais moi, après, moi, je mettrai jamais un de mes chats dans une soute, c'est mort. Mais c'est possible que tu l'aies dans l'espace, dans la cabine, mais il faut que tu te renseignes. Juste renseigne-toi, quoi. Bah oui, ton petit loulou, Céline, il va bien? Il va mieux? Papa est rentré? Bah non. C'était quoi, les sous? J'ai pas compris. Ah, c'était à elle qui a gagné, d'accord. Zimane, c'est son premier jour de taf. Elle est même pas là. Non, on s'en fout. Occupe-toi pas de tes gosses. Au pire, Copper est là. Hein. Voilà. Il discute un peu avec ses sœurs, là. Ah ouais, ah ouais. Qui c'est qui est mort? Ah non, c'est... C'est bon, c'est pas Nuage. Nuage fait encore partie de ce monde. Mon gros a 6 ans et le petit 1 an, ça grandit trop vite. Ah bah, qui le dis-tu? Mon vieux loulou, il en a 14 et Tyrion, il en a 3. Un doudou? Ça va, mon cœur? Il ne quitte plus son arbre à chat, là, en haut. Il dort toujours dessus. Ça fait plaisir, au moins. Salut, Oniri, comment tu vas? Ah, putain, ce gosse. Attends, papa, il rentre. Il va rentrer là. Voilà, allez, viens. On va s'occuper des gosses. On va donner un bain. C'est laquelle qui écrase? C'est automne, je crois. Ouais, c'est automne. Ok, bah voilà. C'est bien tout ça. Na, qu'est-ce que tu fais? Non, tu vas rien voir du tout. Tu vas raconter ta vie à ta sœur. Ah ouais. Hop, Lila. Quelle mère exemplaire. Bah merci. Cri 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 ta cou. Ah bah pourquoi Iowa il récupère pas les éléments comme ça là? Pourquoi il n'y a pas la foot chez lui? Ce serait bien pour lui, il en manque toujours. Ouais, vous ne savez pas mais. Punaise, j'ai toujours pas partagé Iowa alors que c'est pour demain. Normalement, je l'ai mis en ligne et je vous partage après le live. Pour les sponsors. Et les Fire Tipper, évidemment. Vu que Mel, c'est une danse unique, je pense pas en voiture. Ah ouais, mais tu peux le prendre dans la cabine d'avion, mais faut que tu vois. 8 ans et demi déjà, ouais. Il va beaucoup mieux, il avait maigri, descendu à 2,9 kg, maintenant il fait 5 kg. Ah, c'est trop bien! C'est trop cool, Céline, je suis trop contente pour toi. Ah oh, oui! Mademoiselle a reçu son collier et sa médaille, mais elle s'amuse à mâchouiller la médaille. Tu m'étonnes. C'est bien, j'allais dire les gosses, mais non, c'est les chats, c'est pas les gosses. On veut pas qu'il soit. Non, mais pas sur lui, mais dans le jardin, pour qu'il ait des éléments qui pop comme on a eu là. Ce serait cool. Salut, petite dragonne, mais tu t'es trompée, je pense. T'as acheté une chanson. Mais je connais pas de chanson qui s'appelle Coucou tout le monde. C'est pas grave. Alors, quand je serai adulte, l'empathie. Oh merde.
c'est Nox. On s'en fout. C'est Nox qui est mort, j'ai eu peur là. Qu'est-ce qu'il fait dehors lui? Éduque ta gamine. Discipliné, hurlez, allez. Ah, il a... ah oui, il a... non, mais on s'en fout. Il y a autre chose à faire hein, que de faire ça. T'as lavé automne? Ah bah oui, bah c'est bien, il a fait ce qu'il fallait. Mais il est formidable ce mec. Tu vas jouer avec la petite. Allez, tu vas jouer avec elle, ça va te... tu vas la réconforter. Et ça va te remonter le divertissement, je pense. Bon Lila, t'es au niveau 7, ça y est? J'ai même pas fait gaffe. Oh là là, un niveau. Allez, on est chaud là, on y va. Le jerk. Ah, cool, j'adore. Elle voulait dire allô le monde. C'est une chanson de qui ça déjà? Je crois que ça me parle, mais... je sais plus. C'est trop bien la vie. Pauline? Il y a une meuf qui s'appelait Pauline. Oh, je comprends, madame. Ah bah moi, quand Dex va partir, ça va être un enfer, hein, moi je vous le dis. Je vais pas rigoler beaucoup. Hein. J'aurai toujours Titi, mais bon, c'est pas pareil. Hein. C'est des points pareils. Ça l'a un petit peu remonté. Mais tiens, tu vas regarder le film actuel et puis tu vas faire un câlin à ton fils. Voilà, tu vas serrer dans tes bras. Voilà. Bon, Lila, tu te démerdes, oui? Alors, un niveau 8 ou quoi? Je vais te harceler. Pour le travail, tu vas nous reprendre un jour de congé. Ah bah si tu peux encore prendre un jour de congé familial, ça me va. Ah, le petit va bientôt grandir. T'occupes pas de tes enfants. C'est un let's play absolument incroyable, regardez la petite. Ah ouais, trop bien la chaise. La chaise. T'es fatiguée aussi, hein. Oh, tu pues un peu. Oh, t'iras demander un bain. À papa. Papa, il est... Ah merde, les pains perdus, ils ont pourri. Bon bah va demander un bain tout de suite à papa, comme ça après tu mangeras et puis on sera tranquille. Ouais, papa il arrive dans la télé. Heureusement qu'elle est pas célibataire celle-ci hein. Dex c'est... Ouais, Dex c'est mon premier à moi. À moi. Parce que j'ai déjà eu avec mes parents et tout ça, mais Dex c'est vraiment mon premier. Mon doudou à moi, mon petit bébé à moi. J'allais dire deux. Comment ça deux? T'es bizarre toi. Tu rejoins hein? Mais on s'en fout Nox, c'était pas ton ami. Je sais même pas comment vous pouvez être aussi amis alors que tu l'as jamais vu. Bah je l'espère Banner, ouais. Ah j'avoue. Bah moi j'aurais choisi le chat plutôt que l'humain, mais bon, c'est chacun ses priorités. Ta génération prenez Bambine. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que... Mais laisse-le ton frère. Elle va laver la petite. Mais non, je t'ai dit de la laver. Oh mais si tu fais pas ce que je te demande. Sunset. C'est ça, c'est bien celle-là. Non, 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 tu vas la laver. Oui, bah elles ont faim aussi, tu vois, donc... hein? Ah oh, bah allez, petit chien, allez. Allez. Pourquoi j'en ai fait un quatrième, moi, en plus? Je pose la question. Toi, t'as faim? Non, tu dois pisser. Eh bah tu vas pisser, tu vas manger, tu vas te laver. Il a pas fait ses devoirs, en plus. Il est presque minuit. Zut. Pourquoi triste? Sieste trop courte, mais monsieur, mais jeune homme, qu'est-ce qu'elle fout? Eh oh, qu'est-ce que tu fais avec ta fille, toi?
Commence pas à faire des trucs chelous, là. Bain de mousse à Sunset. Allez. Non, parce que là, elle est un peu bien placée, hein. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Elle s'amuse à me mordre les pieds, elle a un souci avec mes pieds. Ah non, mais quand ils sont petits... Oh, Tyrion, c'était un enfer, hein. Le nombre de fois, il me réveillait pleine nuit parce qu'il me sautait sur les pieds. Est-ce qu'en fait, je bougeais et d'un seul coup, il me sautait dessus. Mais genre, les quatre pattes en même temps. C'était tellement mignon. Hein, Titi? Je parle de toi, mon cœur. Il est sorti de sa sieste, là. Dormait sur le lit. Tranquille, Emile. Qu'est-ce qu'ils sont indispensables, tes petits chats, tellement. C'est la vie. Après, tu t'occupes de ton fils, hein. Parce que là... Parlant des bandades, hein. Lui, il mange au bureau, il mange... Alors, il a mis ses pattes dans le PC. C'est logique. Non, mais toi aussi, tu vas manger. Allez, c'est la fête à la saucisse, là. Tu manges, après tu vas te coucher. C'est comme ça. Bon, elle va se pisser dessus au bout d'un moment, je pense. Ouais. Ouais. Bon, bah, tu iras dormir. Ça, on aura la paix. Et Lila, toujours en train de jouer ses échecs. Elle s'est pas occupée de ses gosses aujourd'hui. Des pâtes pas bonnes, mais si. Mais si, si, si. C'est parce qu'il y a une autre assiette qui pue, en fait. Oh, t'inquiète. Oh, quand même, je prends soin de mes enfants. Non, c'est pas vrai. Mais si elle me fait un niveau 8, c'est très bien. Il fait quoi comme météo demain? Attendez, je te dis, c'est où déjà la météo? Orage. Oh bah super, on va avoir du mal à finir la fusée. Je crois qu'elle comprend pas ta langue. Youpadzi! Non mais t'inquiète. T'inquiète donc pas. T'inquiète donc pas, excusez-moi. Donc les petites, elles sont en train de se remonter le... Elle a pas mangé. Hein. Maintenant, elles sont plus bonnes. Non, tu manges. Elle aussi, du coup. Ah non, elle a mangé. Attends. Attends, je me suis trompée de gamine. Toi, c'est bon. Non, bah toi, tu manges là. Je m'en fous, c'est pas... Oh là, tu me casses les pieds. T'as qu'à marcher plus vite, hein. Bah, regardez. Et lui? Bah, fais quelque chose de ta vie. Ah, il veut faire ce qu'il veut. Il veut faire la... Les bambins. Obsédés que leurs bambins, ils savent plus rien faire de leur vie, quoi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Il veut se vider la poubelle. Allez, Lila. Tu me fais un niveau 8, stop. Oh, si elle me le fait, je vous jure. Oh, elle est à la moitié. On pourra le faire demain. Hein. Oh, il est 2h du mat. Vas-y, arrête. Arrête. Tu vas manger aussi une paire de pâtes. Rien à voir. Pas une paire de pâtes. Tu penses pas aux enfants, juste à leur future capacité de géniteur. Mais rien. Mais non. Tant qu'ils sont en vie, moi ça va, hein, ça passe, hein, c'est. Bon, mais énorme, petit garçon, Copper, si tu veux, tu fais le ménage. Pourquoi ça pue dans le canapé? J'ai pas compris. Bizarre. Et après, tu vas être couché, ce qui est un peu 2h du matin. Donc, Oh, cette maison, elle fait pitié. L'étage, il fait. Il fait tellement pitié. Elle dort, elle va dormir. Elle a pas mangé. Ah, c'est pas possible. Tu me pètes les noix, mais un point. Bouffe. Mange. Ah oui, bah...
Peut-être qu'il avait des vrais trucs à... Mais bien sûr, je sais qu'elle doit bouffer, mais elle veut pas, cette idiote. Allez, va manger. Mets 3 heures à manger, c'est ta raison. Oh, j'en sais... Mais tu peux pas t'asseoir par terre et bouffer à cette toi-là. Oh, tu me gaves, hein. Eh, sérieux, tu me gaves, hein. Ah là là, mon dieu, pour m'asseoir, faut que je pose mon truc parce que je suis vraiment une grosse merde. Mais tu t'occupes pas des gosses. Par contre, tu peux être couché, toi, parce que je pense que tu vas mourir de fatigue demain. Non, dormir, ça veut pas dire bambin. Oh, qu'est-ce qui me saoule. Vous avez pas idée. Mais je t'ai dit d'être couché, toi, mais... Mais pourquoi? Pourquoi ils me rendent tous dingues dans ce jeu? Et je mangeais sans finir. Ah non, voilà moi, pourquoi j'utilise la chaise. Au moins, ils font pas 14 km pour aller manger. Non, mais c'est pire. Ils, des fois, ils jettent la bouffe alors que ils meurent de faim, ces idiots de gosses. Je t'avais demandé de t'asseoir par terre, petit con. Petite conne. Non, ce serait pas drôle, c'est ça. Hein? On va rigoler pour le challenge 7 bambins, moi je vous le dis, hein. Un jour. Mange au lieu de jeindre là, de couiner dans tous les sens. Que dirait Freddy? Tiens, à dormir après. Elle a enfin mangé. Pardon, excusez-moi. Voilà, c'est bon. Mais j'ai fait toujours ils ça. Ils me font de la peine, ces pauvres gosses. Tu leur cries dessus, visage pensant, visage qui pleure. Parce qu'ils me cassent les pieds, parce que mon jeu, il est fou. Mais putain, mais pourquoi tu la mets pas là, comme les autres, ou là? Tu... Oh, qu'est-ce qu'ils m'ont saoulé. Ils me rendent dingue. Ils me rendent dingue. Dépêche-toi. En plus, à l'avance, elle fait limite du surplace, là. C'est une blague. Mon copper, ça va, il est en bonne forme. Mais c'est un bébé qui connaît pas le monde encore. Oh là là, mais Marie, c'est un jeu, c'est des pixels! Abandonné au bord d'une route. J'étais mort de te voir hurler, t'es arrivé quand c'est mignon, tout dit. Bon bah oui, bien sûr, comme d'hab, quoi. Qui est mort? Oh, Nox! Merci Marine pour ton follow, bienvenue à toi. Elle grandit quand? Oh bah automne, bah, ça va être aujourd'hui et sunset, on a encore 4 jours devant nous. Laisse-moi avoir un amour débordant pour un pixel haut. Oh! C'est ça. Oui. Mais tu vas l'éliminer. Mais qu'est-ce qu'il y a, Titi? T'es où? Il est où, ce con? Tyrion? Je l'entends qui rouroute. T'es où? Eh! Idiot de chat! Tyrion! Moi, je sais pas écouter. Il s'excite tout seul. Rou! Rou! Elle bosse pas hein, aujourd'hui, hein. Je lui ai fait prendre un jour. Hein. Oh, mais tais-toi, toi là, tu casses les pieds aussi. Ils ont un cœur, les pixels.
Tu vas te débarrasser d'un bambin, tu vas en avoir la deuxième dans la foulée. Non, non, là c'est bon, hein, on n'en fait plus. Hein. Ah oui, tu veux dire là? Oui. Eh oui, mais bon, c'est comme ça. Et encore, on n'a pas eu de jumeaux, on n'a pas eu de triplés, tout va bien. Même dans le Legacy, alors qu'on a essayé. Tu te lèves, toi, ou... ouais. Ah bah oui. Ah bah oui, Jean-Pierre. Allez. Hop. Lui, il va se faire des copains. Toi, tu t'occupes du chiard. Tu iras prendre un bain ensuite. Et puis, on est bien après. Elle pourra continuer ses échecs. En espérant que les gamines ne soient pas trop demandantes en soins. Non, ça va. Elles n'ont pas trop faim. Elles font dormir, là, donc c'est bien. Bah, lui, il va aller taffer avant de se laver. Bah, tant pis. Je plains tes collègues, hein, mon gars. Tu vas puer la mort toute la journée. Oh, mais Lila, tu le connaissais pas. Laisse tomber. Puis il a fait connaissance, c'est très bien. Mais je vais dans le foin. Un bon petit rôti de bambin, là, de bébé, là. C'est juteux et graisseux à souhait, là. Ça ajoute un petit goût. Salut, Lily, comment tu vas? Voilà, automne, son anniversaire. Bon, allez, Lila. Niveau 8, hein. Objectif niveau 8. T'as fait un niveau et demi là dans la journée d'hier, donc je pense que le niveau 8 il est bon. Hein. On va le checker. Et après c'est la physiologie dès qu'il fera beau. S'il fait beau, parce que là j'ai l'impression que... Demain, il fait des orages. Il fait encore des orages. Et après c'est la canicule. Ok. Bon, bah, je m'en fous, t'iras te faire électrocuter s'il faut. Oh là là, attention Lily, hein, tu sais que je suis vulgaire. Hein. J'ai ne mâche personne pas mes mots. À côté de moi, dans le train, youpi. Ah, c'est cool ça. Oui, donc, je dis je mâche pas mes mots, donc attention, mets-leur des bouchons quand même, hein, parce que ce n'est pas en live pour les enfants. Bon, ça va, je commence à avoir faim. Déjà. On est à fond là. On va choper, on va terminer avec Génération Prune aujourd'hui, là, je le sens. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Si tu veux, toi, va t'électrocuter dehors. Elle pue. Qu'est-ce que c'est? Demandez à Lila d'allumer la télé. Oh, c'est marrant, ça. Qu'est-ce que c'est? Tu vas qu'est-ce que c'est un peu tout. Voilà, tu vas qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Elle marche, hein, cocotte. Attention, hein, madame, elle marche, hein. Qu'est-ce que c'est? Faire un câlin. Ouais, on peut pas. Elle sera intelligente, cette petite. Hein. Automne. Automne, ne y pas si, c'est pas du gâteau. Elles sont pas choquées, elles suivent toutes tes vidéos. Ah bah d'accord, bon, ça va. Mais bon, quand même. En live, je suis beaucoup plus virulente qu'en vidéo. Hein. Je ne mâche pas mes mots. Eh, 7,75. Copain, rencontrer Julien. Ouais, mais nous, on veut de la fillesse, hein. De la fillasse, hein, pour toi. Hein. Après, il peut être gay, hein. Ça dépend, mais si c'est lui l'héritier, il nous faudra forcément une fille. Hein, parce que faire des bébés, c'est compliqué. Oh non, Fox! Ah, pourquoi on l'a fait, celui-là? Pourquoi on l'a fait, ce gosse? Tu sais que pour la génération orange, il faut avoir des jumeaux. Oui. Je sais. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Non, je l'ai pas lu. Je sais plus qui c'est qui le fait, qui l'a écrit. C'est pas une citation d'un poète. Otaïna et Passy, c'est pas du gâteau. Otaïna et Passy, tel est notre gâteau. Salut, hein.
Tu vas bien. Je connais pas du tout Virginie, machin chose. Allez, la logique là! Mais il est déjà rentré de l'école? Incroyable cet enfant. Il a pas fait ses gosses. Il a pas fait ses devoirs la veille. Il va les faire maintenant. Allez. Comment ça va avoir faim celle-ci? Ça va, elle s'occupe. Hein. Les tout petits oranges là. Les petits enfants oranges. Allez, Lila! Lila, fais nana. Allez! Allez! Ah, Yann est... Ah oui, c'est Yann était marié. Chantal Caillou, voisine. Ah, ces éclairs, je vous jure, ils me font beaucoup plus peur dans les Sims que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, j'ai pas peur des éclairs. Ah tiens, on a récupéré un... L'éralite. Violet en plus. C'est pour la génération. Si on se fait pas du stock avec cette flotte là. Allez, vous pouvez pas vous prendre la foudre, vous deux? Ce serait rigolo. Je vais vous tuer. C'est beau, hein, Willow Creek, hein. Même sous la pluie. Bonjour, monsieur. Ils sont bizarres, ces gens. Et elle galope. Après, si tu veux, tu feras le ménage. Mon petit. Théo, il est devenu adolescent. Jonathan. Putain, la gueule. Oh, ils ont de ces tronches. Oh la vache. Ils font peur. Elsa House. Ouais, Copper, il a terminé cette voie. Non, mais toi, concentre-toi là. On veut un niveau 8 là. Oh biche. Oh là là. J'ai oublié de le faire travailler. Apollinaire, ouais, c'est ça. Chantal Caillou. Oui, Chantal Caillou. Allez, Charlotte, tu feras plaisir avec toi, Denis. Merci, Alex. Il y a des cousins, on peut encore. Non. Non, non, on avait regardé la semaine dernière. Prune, elle est mariée, mais. C'est pas à elle. Et la Vande, elle est toujours célibataire. Et Lina a gagné 184 Simflouz. C'est bien, mon petit. Tu peux pas parler à ta sœur? Comment elle marche? Ah oh, oui, les bonbons, ça pue. Bah écoute. Mais c'est trop mignon quand ils font des câlins. C'est trop chou. Bon, Lila. On en revient toujours à toi, mais à un moment donné. Allez, 84%! On va y arriver. On va le faire aujourd'hui, les enfants. On va avoir fini la génération prune aujourd'hui. On va avoir le temps pour éduquer nos gosses! Incroyable! Non, mais je comprends. Banner, moi aussi, ça m'arrive de m'embrouiller dans ce que j'en ai. Essayons de se rattraper, on s'embrouille encore plus, c'est ça. C'est vrai que j'ai pensé à un truc, on en a parlé chez Crime, enfin, vite fait, j'ai. Que son arbre généalogique, elle, est cassée parce que, par exemple, elle partait, elle n'a pas récupéré les tombes des parents. Il va falloir quand même que je récupère au moins la tombe de Nuage quand elle crèvera. Pour qu'on puisse récupérer la tombe, pour pas que l'arbre généalogique soit cassé, en fait. Ce serait dommage. Oh ouais, gris, violet, orange, on voit toutes les couleurs, c'est marrant. Parce que si on n'a pas la tombe. Mais même Pulcote et tout, non? On les a pas? Ah ouais, il va falloir que je récupère tout ça. Va
falloir que j'aille chez la petite chez Nuage et qu'on récupère que je fasse un micmac pour récupérer ça, pour que Lila récupère tout ça. Pourquoi tu ne fais pas un cimetière? Parce que ça se casse si on n'a pas. Bah je pense parce qu'on regarde. Bon là c'est entre guillemets encore récent et on a encore Coquelicot. Mais si on n'a pas forcément la tombe, en tout cas moi dans le déquête c'était si j'avais pas la tombe du personnage, il disparaissait de l'arbre généalogique. Et du coup bah comme c'est les parents, bah ça va casser en fait. Donc on pourra pas remonter à Bordeaux et tout ça. Donc ouais c'est quand même intéressant de garder les tombes. Je sais pas si c'est entièrement lié, mais en tout cas je sais que dans le Decades, par exemple j'avais plus Louise, j'avais pas Louise parce qu'elle était pas morte chez moi, alors que j'avais encore Arthur dans l'arbre généalogique. Arthur, c'est ça, il est même mort avant sa sœur, donc. Oh mon Dieu, j'ai peur. Ah pardon. Dès que ça sonne, j'ai peur. Je me dis qu'elle va crever. Ça va pas tarder, hein. Du coup, j'ai une question. Salut, juste Misty. Quand je mets des familles dans une maison et que je veux choisir meublé, ils me disent parfois cette option n'est pas disponible sur le terrain pour laquelle avoir pour ce mode de jeu. Je sais quelques maisons, mais ça va pas. Prenez. Alors là, je peux pas te dire. Non, mais tu peux venir, mamie. Enfin, mamie. Ouais, viens, appelle-la. Elle va y arriver. Allez, tu vas y arriver. On est à 90%. Pardon, Copper. Je suis pas trop d'accord pour que tu dormes, en fait. Alors, par contre, papa, il pue. Papa, il pue, va prendre un bain. Mais il sait pas s'occuper de lui. Mais ils ont quoi, mes Sims? C'est soit ils font n'importe quoi, être obsédés avec les bambins, les violons, enfin les pianos et tout ça. Soit ils font rien, quoi. Bah Alex, moi c'est la conclusion que j'en ai faite, c'est que vu que t'as pas la tombe dans ton terrain ou dans ton inventaire de famille ou tout ça, donc ça casse en fait. Et que du coup bah ça disparaît. Je saurais pas te dire, je garde toutes les tombes de mes héritiers. Non mais oui, des héritiers. Mais ceux qui sont pas héritiers, que tu fais déménager, qui meurent ailleurs, normalement ils disparaissent dans ton arbre généalogique. Je suis d'accord, je trouve ça concis. Merci beaucoup Sissi pour ton follow, bienvenue à toi. C'est Marion et Sim qui ont totalement disparu de l'arbre généalogique, c'est très pénible si t'as pas un suivi ailleurs que ce jeu. Bah ouais, mais il faudrait tous les garder dans ton foyer, sauf que 8 personnes, c'est pas assez, quoi. C'est clairement pas assez pour... Après, ça ferait beaucoup de Sims à la fois, je suis d'accord. Vous savez comment on récupère les tombes des Sims qu'on joue pas? Bah tu vas sur leur terrain là où ils habitaient et avec de la chance, tu as la tombe. Moi, Petroni, par exemple, ben, je suis allée sur le terrain de la maison de fermier et elle était pas là, la tombe. Donc, alors que Mathurin, j'avais pu le faire. Elle était là, donc j'avais pu la mettre dans le cimetière. Sauf que là, bah non. Petroni, je l'ai pas, donc je sais pas où elle est morte. Déjà, avec 4, je pète un câble à l'heure 8. Tu veux pas faire le Lord and Lady? Génération fermier, je comprends pas. Bah, du coup, on fait comme toi dans le Decades. Bah, après le Decades, moi j'ai jamais déménagé, tout ça, donc. Y'a qu'avec Lila hein, qu'on a peu cassé le suivi en fait. Qu'on a déménagé sans ses parents, donc forcément on n'aura pas les tombes et tout. Je t'ai dit non, ne dors pas! Mon papa, ouais, y'a ta fille qui veut un bain là. Bain de mousse, papa! Allez, va t'amuser avec ton père. Mais elle aussi, elles ont toutes les deux faim. Lila, fais ton niveau 8 là. On a besoin de que tu fasses à manger. Oui, ça te saoule. Mais allez là, 96%, les enfants, on va y arriver. J'adore toute une ribambelle de gosses dans l'USR. C'est machiavélique. Mais c'est parce que même si c'est horrible la première génération, parce qu'avec les 6 gosses qui vont pas à l'école et c'est un bordel sans nom, je suis passée par là moi aussi donc. J'aime bien faire un début de challenge où tu galères que c'est pas simple, tu vois. Parce que sinon, il y a des trucs, c'est facile. Tu vois. Mais oui, Lila, regarde. 98, 99. Allez. Il manque que la fuséologie. Mais sauf qu'il fait beau, là. Enfin, il fait pas beau, justement.
Il a les yeux de Lila. Putain, on aura les deux garçons avec les yeux bleus verts et les deux filles avec les yeux bleus clairs. Merci beaucoup, Divine, pour ton follow. Bienvenue à toi. Merci beaucoup. J'ai créé la matriarche, elle est trop belle. GG. Et elle nous fait un niveau 8. Tu l'es. Mais... Non, alors par contre, le coup de je suis à 100% et j'arrête pour pas valider le niveau, je suis pas d'accord. Oui. Oh là là, il nous reste que la fuséologie. On a fini la génération prune. Oh, quel bonheur. Quel bonheur. Fox a vieilli. Ils sont 1, 2 et 3. Curieux. Et tu feras à manger. Pourquoi ils sont tous là en attente de la vie qui se passe là? Papa, t'as lavé elle? Ouais. Bah tu la vas laver celle-ci. Papa, c'est un esclave. Regardez le petit bichon. Il bon a les yeux. Bon anniversaire, Foxy GG Lila. Il aura aussi les... Il sera comme son... Enfin, je suis un peu dégoûtée que nos filles n'ont pas cette couleur d'yeux. Ça me dégoûte un petit peu, mais c'est comme ça. En tout cas, il est... Enfin, il est pas content, hein, mais il a... Bon, voilà, il a une tronche absolument mignonne, hein, ce petit Foxy Foxou. Voilà, Foxy. Bon, bah, il nous manque un lit, quand même. Pourquoi ils sont tous les paréos? Ça ne va pas du tout. Allez, va, qu'est-ce que c'est, babillé? Voilà, tu t'occupes pendant que maman, elle fait à bouffer. Papa. C'est bon, va demander à papa. Oh, Nunu! Nunu, si tu pouvais nous faire l'honneur de mourir maintenant. Au moins, on aurait la tombe directement. Oh, qu'est-ce qu'il y a, ma Nunu? Mais putain, mais... Tu fais quelque chose de ta vie ou quoi là? Je t'ai demandé. Trois bambins. Ouais, est-ce qu'elle clignote celle-ci d'ailleurs? Oui, c'est bon, on peut lui faire son anniversaire. Oh la vache. Parce que là, on n'a pas assez de lit sinon. Hein. Le gâtal. Merde, ils sont tous bouffés. On va refaire un gâtal. Oh la vache, fais gaffe, tu vas poignarder ta mère. Avec ses couteaux. Héritier homme. On n'en sait rien. Dis donc. Faut voir en grandissant, mais pour le moment, c'est lui que je préfère, il est trop choupi. Lui, là, je vais mourir et les autres seront en dépression, c'est ça. Invite-la à dormir avec la crala. Bah, je peux regarder, hein, s'il faut un clic, je sais, hein, mais... Après, tu vas cuisiner, tu vas faire un gâtal, après. Un gâtal blanc pour ta fille. Mais il n'y a pas assez de place pour qu'elle dorme, en fait. On dirait la vieille qui colle au basque, alors que l'autre, elle s'en fout, tu sais. Ah, tu sais, moi, je suis allée au cours, là, de tricot, hein. Et ben, ils m'ont dit... elle va de l'autre côté à chaque fois. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Allez, Lila. Il nous reste... ça fait 1h13 d'épisode. Oh, il faut absolument que tu... Mais j'en ai marre des orages aussi. Ah, oh, c'est bon, la petite, elle a... Oui, vous pouvez venir manger, les enfants! Arrête de dormir, toi. Va te laver, va pisser. Bon, il est 23h. Ok, va dormir. Ce pauvre gamin, j'arrête pas de le réveiller. Lui, il a pas faim. Et papa? Papa, il a faim, viens manger. Arrête de t'occuper des gosses quand je te dis de pas t'occuper des gosses! Oh, il est pas possible. Par contre, t'es... Non, mais... Va... Rembourser le prêt? Ouais, rembourser le prêt. Alors, tu peux l'inviter à dormir. Mais je crois que c'est invité à dormir, c'est seulement quand c'est une interaction amoureuse, non? Donc c'est sa mère. Pas l'inviter à dormir. C'est seulement qu'il y a une interaction amoureuse, sauf que là c'est la maman. Donc voilà.
Tu peux t'asseoir et discuter avec ta belle-mère. Justement, Otto n'est pas censé grandir. Ah, si. Une vraie pro en cuisine, t'as vu ça? Il y a combien de générations dans les notes de Sobéry? On a 10. Et là, on est à la moitié. On est sur la cinquième. Oh, il a pipisté debout, lui. Oh mon dieu. Cet enfant pisse debout, mais quel enfer. Ça va, Nunu? Vas-y, parle avec ta belle-mère. Exprime ton admiration. Se plaindre des orages, parce que franchement, là, ils vont nous casser les pieds, les orages. Parce qu'elle va pas pouvoir avancer sa compète. Bon, allez, je vous laisse. Je vais dodo. Demain, je me lève. Tôt bonne soirée, bonne game à rebasage. Ed Shirley et GG pour tes 14 000. Tu les mérites. Mais 14 000 là, j'aimerais bien. Faites attention à vous, surtout. Vous êtes une team en orageant. 21 boules. Suçon. Lave hôtel. Cœur. Suçon. Caca. Caca. Les 14 000, j'aimerais bien, Chantal. Hein. C'est pas le corps. Hein. On en est très loin. Merci beaucoup, Madame J. Des gros bisous. À bientôt. Alors, si je rembourse pas, ça fait rien. Ça fait strictement rien. Elle va pisser. Les gamines, elles mangent. Elles ont mangé, elles sont en état. Le petit dernier. Le petit dernier, il saura pas aller tout seul au pot non plus. Hein. On l'a fait grandir. Bah là, il est minuit et demi, on va pas faire de fête. Hein. On va la faire grandir comme ça. Alors... bougie. En plus, mamie est là pour l'anniversaire. Elle est où? Elle s'est barrée? Elle est en train de faire du sport. Oh la vache, je l'avais vu là. Elle est vieille. Je vais dire appelle-la. Tu vas faire à l'anniversaire. Alors là, ma petite, tu vas te lever. Tu vas venir là. Toi, va pisser si tu veux, t'as raison, moi aussi j'ai envie de pisser d'ailleurs. Lui, il met 10 ans à bouffer, donc il ira pisser après. Wouah, vous avez vu l'éclair? Aidez à souffler les bougies. Automne! L'éclair de ouf! Je sais pas ce qu'il a cramé, mais ça fait mal. Bah, ton mari, il te laisse même pas le temps de pisser. Oh non, oui, cliquer, tu le fais. C'est bien d'avoir la fibre artistique, Sunset. Je ne suis pas contre, mais va te pioter. Comme ça, lui, il aura de quoi dormir. Parce que moi, elle n'est pas fatiguée, mais... ah, ça va. Oh là là, il va falloir faire une chambre d'enfant, moi, je vous le dis. Ça risque d'être comique. Cette gueule. Elle a la pêche, mémé, ah, grave. On faudrait pas qu'elle claque là comme ça sur le rebord de la porte, mais ça va, à la limite, ça irait. Alors, respiration, on va dire créativité, on s'en fout. Et comme trait de caractère, sachant que je me souviens que les trois étaient disponibles. On a fait le moins pire pour Copper, qui est donc sûr de lui. Pff, ah bah, écoutez, j'ai le choix entre malveillant et glouton. Malveillant, c'est vraiment de la merde, on va le mettre en dernier. On va mettre glouton. Ce sera une petite grosse. Pardon. Oh la biche. Cette tronche, elle est trop moche. Non, ça va, elle ressemble à sa mère. Elle ressemble à sa mère. Elle ressemble à sa daronne. Alors, maman, tu vas remettre les boujax. Arrête avec ton fils. Et la petite, eh ben, lui faut un lit. Alors, par contre, tu suis pas du tout le truc de ta génération, toi. C'est pas violet, ta génération. Et lui, il est là, il attend que la vie se passe. Le gâtal, on le met au frigal.
Maman, tu peux continuer de manger, c'est un vrai bordel là, je n'arrête pas. Toi, si tu veux te rendre utile, tu peux débarrasser ça. Ah, lui, il regarde la télé en fait. D'accord. On m'a salué, Nunu, bien tel. Crois pas. Tu peux pas discuter de la. De l'espace? De la fuséologie? Oh là là. Ça n'arrête pas les orages, laisse tomber. Hein. C'est pire que dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, quand il y a orage, vous pouvez aller dehors, vous êtes juste mouillé, il y a quand même peu de chances que vous recevez un éclair sur la tronche. Dans les Sims, c'est plutôt le contraire. Hein. C'est... Elle est toute jolie. Ouais, mais quand elle était comme ça, elle l'était pas, hein. Elle avait une sale tronche. Hein. Ah bah d'accord. Voilà, la télé, elle a cassé. Bon, il est 2h30, 2h du matin, vous allez niquer un coup. Ah bah non, il veut pas. Toi non plus. Oh, vous faites chier. Ah si, ça y est, elle est inspirée. Allez, vous allez niquer. Non, pas de bébé, c'est bon. Non, c'est bon. Ouais. On va pas tenter le diable. Fais-toi proposition. Oh bah dis donc, madame. Ah bah mademoiselle, excusez-moi, la duchesse. Excusez-moi du peu. Je n'avais pas vu votre très belle robe. Incroyable. Hein? Bon. On va aller s'occuper, on va lui mettre un lit. Sans rien d'autre. Non, il faudrait que je fasse les chambres en vrai. Parce que là, ça craint, c'est pas très beau. Hein. Mais quoi, mec? Je t'ai juste copié-collé. Vas-y. Genre, je vais copier-coller son lit, il en sort quoi. Genre, oh là là, tu m'as dérangé. Vilaine Shirley. J'ai mis en blanc, mais il faudrait que je fasse les chambres un autre jour. Tiens, voilà, ça va être ton lit, très très brûlé, lit. Ah, très très brûlé, bah, tu vas dormir, et puis toi aussi tu retournes au lit. Allez. Allez, cocotte. Ah, y a pas de porte. Ah, c'est sûr, ça va pas beaucoup marcher. Ah, s'il n'y a pas de porte, ça va être complexe hein, d'aller dans la chambre. Je suis d'accord avec toi, ma petite. Excuse-moi. Donc, c'est bien ton lit et c'est à toi d'aller dormir là-haut. Par contre, toi, je t'ai dit d'aller dormir. Hein? Ne commence pas à me casser les pieds. Et eux, par contre, ils sont. Oh là là, Marie! Il dort dans le grenier. Mais non, il dort pas dans le grenier! C'est le premier étage! Une petite porte, une porte pour chien. Oh bah, ils ont l'air motivés. Hein. Mais je savais bien qu'il y avait un gamin. Non. Qu'est-ce qu'il a, lui? A appris quelque chose de nouveau et curieux. Tiens, tu veux t'électrocuter? Allez, va dormir. Voilà. Ça remonte, c'est à cause de lui, hein. Monsieur voulait se divertir, nous le divertissons. Les gars, ça fait plus d'une heure que mon jeu se répare. Il est sur. Il en est sûrement 14. Ah ouais, la vache! Faut une réparation du jeu qui se répare. Une réparation de la réparation. Les enfants devront payer pour leur papier peint au boulot les mioches. Exactement! Comme dans Lord and Lady, ils vont participer à la... T'as vu, on n'est pas très riches. Hein. Faudrait qu'on hérite de notre ami Nuage. Mais c'est pas encore le cas. Voilà, tout le monde dort. Mais regarde, ils le font exprès. De où maintenant? Ils dorment pas quand ils sont en train de dormir. Ils sont en train de dormir après un crac-crac, mais en fait, non, ils se relèvent. Allez! Si tu pleures à ce point pour quelqu'un que tu connaissais pas, qu'est-ce que tu vas faire quand ce sera ta mère? Oh, le crac-crac, il était nul en plus!
Oh bon, ça en valait le coup, tiens. Déjà? Copper. Copper. Copper Cabana. Merde, viens manger le chili. Bon, ça va, il devrait encore bon jusqu'à temps que tu le manges. Allez, Copper, dépêche-toi. Voilà, raval. Qu'est-ce que tu fais, toi? T'as même pas fini de dormir, meuf! Pense à un membre de sa famille. D'ailleurs, en parlant de ça, qui a rien à voir du coup, tu vas prendre un jour de congé. La meuf qui n'a pas été travailler depuis 10 semaines, mais c'est pas grave. Prends-la dans le foyer au pire. Oui, j'avoue. Ah bah, elle a changé de patron, hein, il a rien à dire. Et ils l'ont embauché, il a dit oui, bah, on vous donne 3 jours de congé. Nanani nanana. Voilà, elle les prend, elle. Hein. Elle a raison. Bon, par contre, lui, il faudrait qu'il travaille bien à l'école un peu. Bon, tu peux te casser parce que ta mère, elle va se laver là. Voilà. Oh, comment elle a viré son gosse? Dégage! Mais pourquoi tu vas pas à l'école? Eh hey, bichon, c'est l'heure. Tu vas apprendre des choses aujourd'hui. Oh, mon dieu. Il y a un monstre qui se lève. Il n'y a aucun des deux qui a faim. Si, il y a lui qui a faim. Il ira manger le bol de chili de son frère. Elle, ça va, elle dort. Lui, il travaille pas? S'il travaille dans 2 heures. Oh, Lila, mais ça suffit. Qu'est-ce que c'est chiant quand ils sont pas bien comme ça. Alors, tu vas me réparer ça. Tu vas pas pouvoir, si? Ah bah tant pis, on réparera pas la machin. Et tu vas continuer d'améliorer parce que il pleut pas. T'es censé avoir de l'orage Allez, on va travailler de la maison aujourd'hui. Recruter d'autres Sims dans l'armée. Super, c'est comme ça qu'il s'occupera des gamins. Lila a reçu une amende conformément à son plan d'action. Trop d'eau était consommée cette semaine. Bah, c'est pour ça que... Ah bah d'accord. 2 coups de marteau, elle a fini son amélioration. La blague. Canon à ion. Vas-y, ça va nous coûter tellement cher. Mais arrêtez d'être triste pour rien. Ça... Oh putain, ça y est, nuage est morte. Ça y est, nuage est morte. Ah ouais, ça s'est joué à pas longtemps. Hein, pas beaucoup de temps de... Hein. Ouais, tu vas te... méditative. Prends une douche. Oh, le petit avec ses lunettes. Moi, tu es mignon, mon petit gars. Ou alors, je disais, il était censé faire des orages. On en profitait. Hein. Oh, mon pauvre petit chou. Alors, toi, tu vas réviser. Elle dort. Ouais, ils feront leur vie. Hein. Nous, on est focus Lila. Eh oui, Nunu. On savait que ça allait arriver. Hein. Tu regardes 911. Eh ben, bonne soirée, Babbleton. On te regrettera ou pas. Tristesse sur les Sims. Bah, ça faisait 2 jours. Et ben, elle allait plus être triste pour Nox. Et ben, c'est reparti pour Nuage, quoi. Alors, on va voir la vérité. Perte de performance? Ah bon? Bah, merde. Oups! Allez, Nunu, niveau 8, stop! Mais putain, mais ça continue de hurler à travers dans la rue là, c'est pas possible! On est à 7,33. Un tiers de fait. Faites des gosses. Emmerdez les autres. Faudrait que j'aille récupérer les tombes. Espérez au moins qu'elle soit morte chez elle, hein, parce que sinon je sais pas comment faire moi. Hein.
Un jour, ça suffirait. Mais oui, c'est chiant. Pouf, allez. Bon, et moi, là, on est focus. Je fais que... Non, pas vitesse 3, vitesse 2, parce que vitesse 3, la vitesse va trop vite et il cumule pas assez de compétences. Pour niveau 8, et après, c'est bon, on arrête le live. Je veux finir aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de finir aujourd'hui. Laisse-le tranquille, Tyrion. Tyrion. Dex. Dex, il veut lui mettre une tatane. Ah, je vous jure. Ayez, faites des gosses qui s'entendent pas. Hein, Titi? Tu veux dire bonjour? Tyrion. Un moment. En plus, ces derniers jours, il arrête pas de venir sur le bureau. Viens, Tyrion. Viens. Je sais pas s'il viendra. Oui, je m'en fous. Tous les gosses, je les laisse sans regarder. Ah, attendez. Sinon, YouTube, vous voyez pas le chat. Lui, on est bloqué, j'arrive pas à récupérer. Ah merde! Même pour des gens qui connaissent pas Weapon, ils sont tristes pendant 3 jours, c'est ça. Si ça se prend des châtaignes. Elle se prend des prunes. Oh, oh, oh. J'ai faim, les enfants. Là, il pleut. Elle se fait rincer. Elle va se prendre une petite foudre sur le coin de la tronche, elle va pas savoir d'où ça vient. Ouais, c'est ce que j'avais fait, Camille. J'avais fait ça pour... bah là, là où ils habitaient dans l'appartement avant, à Evergreen Harbor, parce qu'il arrêtait pas de vouloir aller voir la voisine, le mari, là. Oh, le bordel. Allez, reprends les œufs brouillés, là. Nourris tes enfants. C'est le bordel dans la baraque. Ah les lilas, ah les lilas, allez, ah les lilas, ah les lilas. Et 7,60. Cooper est rentré avec un C de moyenne. C'est pas terrible ça, monsieur. Oh, qu'est-ce qu'il est chou. Allez, tu peux jeter ça, tu peux rendre service. Et sa sœur vient de se lever que de maintenant, à 15h. Mais c'est pas possible ça. En tout cas, ça lui va trop bien sa petite coupe de cheveux. Oh Lila, t'es-tu pu? Bah c'est que là on est hors du terrain, j'ai pas l'option de mettre dans l'inventaire. Ah merde! Mais c'est bizarre, parce que même si c'est pas sur le terrain, tu peux. Tu peux pas la faire glisser? Tout simplement? Alors, tu vas prendre ta douche. Joindre l'utile à l'agréable, tu vas prendre ta douche dehors. Ouloulou! Regarde, il y a des gens là. Hé! Putain, mais les orages! Ça me fait faire des bons. Mais tu te laves? Mais pourquoi tu fais pas l'animation? Oh Lila, tu me fais... T'es pas drôle. Ah, c'est chiant ça, Alex. Essaie d'aller sur un autre terrain. Non, je sais pas. Mais non, mais t'es pas drôle. Tu fais pas la... Non, mais je veux que tu te laves, moi, en faisant les gestes. Bon d'accord, la douche elle est buggée. Parce que là, la meuf elle se laisse... Et comme ça fait, oui je me lave sous la pluie. Timo, viens câlin. Ouh, le bébé chat. Ah mais ça y est, elle s'est pissée dessus. Nickel. Améliorée. Allez, continue. M'en fous, hein, Lila. Je t'ai dit, hein, aujourd'hui, tu finis. Oh, bichon. Elle a pillé avec sa robe, j'en peux plus. Mais va bouffer, toi. Après, tu feras tes devoirs.
Et là, c'est Lila qui s'est pris un coup de jus et on n'a pas été regardé. Ah non, c'est bon. Jeanne Tyrion, bah voyons. Qu'est-ce que tu fais, toi, avec ta gosse? Oh putain. Mais bois pas ça, il y a du manger! Mais qu'est-ce qu'il a fait du plat de bouffe? Oh, j'ai faim! Il y a des boulettes, viens manger les boulettes. Toi, tu dois recruter quelqu'un, là. Rien, le soleil revient. Y a pas quelqu'un? Bah, bien sûr, quand il y avait des gens là, il n'y a plus personne. Là. Tiens, madame. Madame. Madame amicale. Ça va, la pluie se calme en plus. Tu vas nous la recruter, celle-ci. Voilà, ça se calme. Pouf, allez. Lila aime vivre avec le danger, c'est ça. Ah oh non, c'est qu'elle a pas le choix. C'est moi qui décide. Qu'est-ce qu'elle est belle. Je trouve qu'avec le temps, elle s'embellit. J'espère qu'elle aura transmis ça à ses filles, à ses enfants. Tu t'es présenté. Et c'est quoi, c'est une FBI ou quoi? Alors, est-ce que tu peux donner un ordre? C'est vrai, il y avait ça. Comment tu recrutes? J'ai jamais fait. Faire un discours inspirant, vas-y, inspire. Tu vas l'inspirer et comme ça, elle va peut-être se dire « Oh oui, 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 je veux aller me faire recruter, je veux travailler dans l'armée. » Tenter de recruter dans l'armée. J'ai eu peur. Excusez-vous. 7,72. On y est presque. La coiffure, il fait beaucoup, ça lui va super bien. Ah ouais, j'avoue. Bon, on a failli lui mettre une petite coupe avec une frange. Mais... elle est trop belle. Non, mais vas-y! Mais tu devais la recruter! Oh, c'est une casse les noix. Mais il me casse les noix. Voilà. On est en train de recruter l'armée. Oui, tu iras manger après. Comment se comportent les gamins? Mais ils se battent entre eux. Ils ont leur viscère qui sort. Non, mais elle, avec sa robe. Mais mange si t'as faim, courgette, va! Les petits, ils y peuvent rien, mais toi! Voilà, lui, il va bouffer! Ah, qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont plus autonomes du tout, ces gosses! Oh, j'ai tellement faim! Je commence à m'auto-digérer. Toba Harfen! Vas-y, plains-toi de problèmes. C'est bon, on l'a recrutée. Trop bien. Vas-y, tu vas la flatter. Tu vas faire du charisme avec elle. Tu vas complimenter la tenue. Madame, vous avez un très beau décolleté. Éliminez la journée. Des sacrés boobs, elle aussi. Non. Pas partie de la famille, pourtant. C'est qui? C'est la fille de Meriadoc. Mais avec elle a pas de mère, elle a juste un père. Hey, salut Théo, comment tu vas? Ah, Stranger Things. Best série. Qu'est-ce que tu fais, toi? Voilà, Titi. Ah, je peux pas l'attraper. Je crois qu'elle a une tête bizarre. J'ai un bug sur le tel, j'ai pas accès aux émotes, c'est chelou. Ah. Bah, quelle idée d'être sur le tel aussi. J'ai trop faim. Elle va finir électrocutée. Non. On va la laisser manger parce qu'il faut bien qu'elle mange cette petite. Ouais, on a encore un élément. Le plumbobus. T'occupes de ta fille. Maman, pendant ce temps-là, elle se requinque un peu. Bon, je vais. Les gamins ont mangé, je range ça.
On n'est pas loin, hein. Et je ne partirai pas de ce live tant qu'on n'a pas fini. Et on a 78%. Oh purée. On va le faire, on va le faire. Tu t'en tues. Ah mais c'est... j'avoue, en ce moment, je sais pas quoi regarder. Bonjour le voisinage, est-ce que j'ai entendu le bruit de quelque chose de brisé? Mais tu es un fantôme? Qu'on ne connaît pas en plus. Attendez, c'est ici là. Ah oui, c'est Tina Tinker. C'est gentil. Oh la... limpide. Ouais, d'accord, c'est pas Halloween pourtant encore, mais ouais. Ah, pas problème. Donne-nous des trucs. T'as été sympa en plus avec Jonah et tout. Donc, Ça va, Alex. Je commence à avoir un petit coup de barre, mais... Oui, Titi. Viens dire bonjour à YouTube. Viens. Elle est où? Pourquoi elle est à l'étage? Hé, merci beaucoup Mélissa pour ton follow et bienvenue à toi. Vous êtes beaucoup aujourd'hui à être arrivés sur ma chaîne, ça me fait plaisir. On a dépassé les 1400. Bah YouTube, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Vous savez que c'est là que je live tout le temps maintenant, donc... Waouh, ça fait tellement plaisir. Des bisous Théo. Merci d'être passé. Ouais, en route vers 1500, bon, on en a encore... On est encore loin, hein. On vient de commencer la 1004. Ah bah d'accord, elle se dit, moi je vais faire du... Moi je vais faire du truc là, du méditation. Bon Lila, je veux pas être chiante mais... Ils sont tous dans la chambre. Tiens, tu vas divertir ta femme? Ah! Vas-y, raconte une blague sur les professeurs. Elle va peut-être rire. Tu sais, sa mère est morte, alors c'est pas forcément l'idéal. T'as fait tes devoirs, toi? Bah, fais tes devoirs. Toi aussi. Non, elle nettoie, elle. Alors, t'avais pas un truc à nous donner? Ouais, elle est bien. Tu as imité une célébrité. Faut qu'elle... Allez, un dernier jour de vacances. Ah, elle peut pas encore. Merde. Parce que faut qu'elle termine sa truc. Hein. Mais elle est morte vieille ou... Personne âgée, ah oui. Ah oui, oui. Il s'en est passé du temps déjà alors. Hein, parce que... Améliorer. Quoi? Ah oh merde, je peux pas. Ah. Oh. On a obligé d'explorer l'espace. Je suis désolée, ça fait très redondant. Qu'est-ce qu'elle fait elle? Mais t'es folle? On est obligé d'explorer l'espace parce que ben... Pff, pour qu'elle monte sa physiologie. On n'a pas le choix. Attends Georgette, attends. Ça va nous rappeler ton papy. Qui lui aussi après... a fait voyage dans l'espace. Papy Pulcote. Salut Kyle. Oh it's hacking Kyle. Je vais t'appeler Kyle. Eh ben, j'ai un personnage qui s'appelle Kyle dans mon Legacy. C'est d'ailleurs notre héritier. Commerce dans l'espace. Bon, je lis pas. Mais il va falloir, quand même. Parce que sinon, elle fait pas de physiologie, donc... Non, tu vas pas prendre verre de roue. Tu vas essuyer si tu veux. Tu fais ménage si tu veux. Je lis pas parce qu'il y a qu'un seul choix. Pendant ce temps-là, elle fait sa physiologie. Jusqu'à temps qu'on ait le niveau 8. Oh bichette. Ouais, une bonne journée. C'était trop bien. Tu vas pleurer. Et toi, tu vas te mettre des paroles d'encouragement là.
Ah oui, d'accord, il y avait un truc de... Ouais, j'avoue. Bah t'essuieras. Puis t'iras aux toilettes. Il a SN et sauve. Ah, j'aime trop sa bouille. Je dirais quand même que c'est... Est-ce que c'est pas notre plus belle héritière d'une autre Sauberie? Bon, en même temps, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu Pepper, Nuage et elle. Hein, donc, si nous avons deux mâles. Il te reste combien en physiologie? Allez. T'as jamais fait de fusée? Bah, tu vois. En ce moment, bah, je l'ai fait avec Pulco. Je le fais avec Iowa. Et je le refais avec elle. Parce qu'en fait, c'est hyper rapide pour monter les niveaux. Donc, juste faire les améliorations, ça monte vite. Qu'est-ce qu'elle a? Non, tu vas pas réveiller ta sœur. Tu vas faire une sieste si tu veux. Lui, il pleure dans son lit. Oh, petit cœur. Non! Déjà, je t'ai dit de faire ça. Pourquoi tu le fais pas? Ces Sims me rendent dingue. Je ne parle pas français. Alors je me suis... Ah, ok, you speak English, maybe. I was just saying to you that I have a Sims called Kyle, like you, in my legacy challenge that we are doing on Twitch. Ah merde, elle s'est pris la foudre. On a raté ça. Oh. Allez, va te prendre un bain de mousse, va, t'as le droit. C'est bon, toi, t'as... Non, tu vas faire le ménage. Mais... Ah. Mais non, mais c'est bon. Pas la peine. Allez, tu vas être couché. Va te coucher. Oupsie. La famille de Triste. Ah bah, non, mais là, c'est chiant. Bah, après, c'est Nuage, hein, c'est normal. Ils l'ont tous connu, hein. J'en ai marre des orages. C'est bon, t'es... Ah bah, y'a tout ça qui est cassé, non, au bout d'un moment. Ouais, mais elle est bêtée. Je vais pas la faire réparer parce que c'est le meilleur moyen pour tuer quelqu'un en électrocution. Et là, on a encore besoin. Bon, au moment où elle finira sa génération, c'est pas grave, elle peut mourir. Mais elle a pas encore fini. Hein. Il nous reste que 15% de la physiologie à faire. Pour l'instant... Et ben, c'est comme ça. Tu retomberas dans l'espace. Toi, tu vas aller pleurer dans ton lit. Allez, tu vas pleurer. Et dormir. Ça va, Lilat? Mais ils font beaucoup trop fort leurs éclairs. C'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup... Voilà. Mais bordel! Oh, ça a arrosé le truc de pêche. Et pourquoi c'est pas eux qui sont à choper, là? Regardez-moi, là. Lisa Blanc, là. Elle est moche, là. En plus, elle a les yeux marrons. Et ça, là, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des gants? Oh oui, je croyais qu'elle avait une peau très très blanche. Pour avoir un style aussi moche, madame, il faudra mieux de vous prendre la foudre, hein. Oupsie! Oupsie! T'avais bien les cheveux noirs, ouais, ouais. T'as jamais vu de Sim se prendre la foudre? Ah ben nous, ça nous est arrivé plein de fois sur le Legacy. Hein. On a... Enfin, sur le... Plein de fois. Si, c'est arrivé... Alex, elle s'en est pris. Et je crois que Madeleine aussi. Donc, très belle chute. Pirate de l'espace. Lila voit des personnages peu recommandables s'approcher rapidement de son rétroviseur. Oh!
Oh, ce sont des pirates de l'espace! Et Lila va se faire agresser. Il réclame une valise remplie de simflouz à Lila pour la laisser passer. Ou sinon! Qu'est-ce qu'il y a, Titi? Viens dire bonjour. Est-ce qu'on en reparle ou est-ce qu'on attaque? C'est vous qui décidez dans le chat. Moi, ma partie a à peine commencé, ma sim s'est pris la foudre deux fois après 5 minutes de jeu, la partie finie. Oh mon loulou! Viens mon cœur. Câlin, mon bébé. Ah, j'ai les chats, ils sont réveillés là. Tyrion, viens dire bonjour que je te montre. Ou Doudou, tu veux dire bonjour? Vous pouvez venir en même temps, ça me dérange pas. Alors, presque full attaque. Alors voilà, attaque. Lila décide d'attaquer une bande d'impitoyables pirates de l'espace avec sa fusée. Il pointe alors immédiatement le canon spatial le plus énorme et effrayant que Lila ait jamais vu sur son vaisseau et appuie sur feu. J'ai jamais eu la fusée complètement flinguée. Un faisceau d'ions déferle sur la proue du vaisseau dont commence à sortir une épaisse fumée violette. Lila doit battre en retraite et rentre chez elle. Mais non! Et sérieux, meurs pas, hein, j'ai besoin de toi. Oh, sérieux? J'ai jamais eu ça. C'est pour la fille, c'est pour la miniature pour YouTube. Mais non! Je suis choquée! Mais je m'en fous si elle meurt, mais qu'elle meurt quand elle atteint le niveau 8, tu vois. Mais non! Et encore les voyants de la fusée, quoi, tout va bien. J'ai jamais eu ça! Ouais, les zen, hein. Ouais, non, mais elle se téléporte, hein, Lila. Ah non, mais quand j'ai vu en feu, moi j'ai cru que. Non, pas toi, pardon. Lila, tu vas construire ta fusée. Il lui reste 12%. Mais putain. Arrête pas. Tu l'as déjà eu plusieurs fois, toi? Bah en fait c'est rare quand tu fais les fusées déjà, faut avoir un objectif mais. Mais j'ai jamais eu quoi, c'est. Attends, j'ai fait Pulcot, j'ai fait Iowa, j'ai fait d'autres avant où j'avais fait des fusées il me semble, mais j'avais pas fait, j'ai jamais eu non. C'est à cause de vous ça, hein. Elle aurait dû parler aux pirates. Hein. Pour combler le tout, elle se casse la gueule, c'est ça? Elle est double hébétée, elle va crever. Hein. Elle va crever! Niveau 8, Lila! Après, tu peux mourir! Oh mon Dieu! Allez, Lila! Après, je te laisserai tranquille toute ta vie! Vraiment! Genre, on va s'amuser pendant les prochains lives parce qu'on va se faire chier. On va regarder comme ça, on va attendre que les enfants grandissent. Mais oui, Lila, elle peut le faire! T'inquiète! 92%. Bien sûr qu'elle va le faire. Bien sûr. Après tout ce qu'on a fait pour elle, faut pas qu'elle meure. Il y a la tombe du neige à prendre. Bah oui, mais ah oui, mais c'est pas grave, on ira avec son mari. Lui, il est encore là. Non, 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 non. Putain. Elle est obligée de réexplorer l'espace. 7%. Ouais, on a fini l'aspiration la semaine dernière. Ouais, je sais plus. Mais oui, on l'a fini. Bah alors Céline, tu suis pas? Course spatiale, est-ce qu'on participe à la course ou on refuse de participer à la course?
On va arriver sur 2 heures de rediff encore. C'est incroyable ça. Et salut Ange Maeva. Comment tu fais pour casser les portes? Oui, c'est avec un certain niveau de la compétence bien-être que tu fais avec le yoga et la méditation. Titi? On dirait que mes chats, c'est des statues. Ah non, vous voyez pas Dex, il est là. Oh bah il est parti. Mon loulou, tu as faim mon chéri? Attends 5 minutes mon cœur. Le temps qu'on fasse ça et après je serai à toi. Alors on participe? Allez. Participe à la course. C'est bien. T'as faim? Il n'y a plus à bouffer? Dispo? Mais si, on va trouver à bouffer, putain. Tout est cassé ici. Mais t'avais encore à bouffer? Viens manger, viens manger mon chien. Et après tira. Ah, partez prêt, ouais, à toute vitesse. Mais 10 ans, t'as raison. Pendant que ta mère, elle risque sa vie dans l'espace, toi, tu mets 10 ans à atteindre ta portion de boulette là. Non, mais franchement. Dans quel monde vit-on? 96%. Lila fait un excellent départ. En prenant le 105e virage, elle réévalue sa position dans le groupe. Canina lui donne une file à retordre. Et Adam Rouge n'est pas loin. Bon, ça, je l'ai déjà eu plusieurs fois. Hein. Est-ce qu'on garde son rythme ou on accélère? Je pense qu'il faut garder le rythme, en gros. En vrai, parce que quand t'accélères, elle perd. Enfin, en tout cas, à chaque fois que j'ai fait accélérer, on a perdu. Donc, est-ce qu'on garde notre rythme ou on accélère? C'est le chat qui choisit. Après, je dis t'as des bêtises, mais je sais qu'à chaque... j'ai fait déjà accélérer plusieurs fois et ça se passait pas top. Parce qu'elle se faisait doubler à un moment donné, donc on garde le rythme du coup? Ok. Hihi hihi. Bon bah ça marche, ça a rien à voir. Lila accélère au dernier virage et sème dans rouge et Kanina. Le moment est venu de monter à toute la galaxie de quel bois se chauffe. C'est alors que le bruit de son moteur est couvert par un sifflement aigu. Kanina vient de passer en hyper vitesse. C'est autorisé ça? Kanina rend la première place pour cette fois. Bon bah en gros, on perd à chaque fois quoi. Un porc-épic de l'espace mort! Mais quel bonheur! C'est exactement ce qu'il me fallait. 2%. 2%. Tu y retournes. Un dernier voyage, mais j'espère qu'elle reviendra en vie quand même. Parce que là, comment ça s'est passé? Oh non, la fusée défoncée. Ah, j'en reviens pas. Ah, ce boom à une vitesse en plus, c'est revenu. J'étais. On va faire le niveau 8. On va rester calme, c'est ça. On va rester calme. Inspiration. Expiration. On va avoir fini les enfants. On va avoir fini la génération prune. Carte au trésor. Suivez la carte ou on continue à avancer. C'est vous qui choisissez dans le chat. Ouais, j'ai la pêche là. On finit la génération prune à une vitesse incroyable au final. Oui, en vie, il faut valider le niveau vite. C'est ça. Après, elle peut mourir. Je m'en fiche. Suivre, continue à avancer, suivre, avancer. Hé, Tyrion, tu arrêtes. Alors, suivre, avancer, suivre, avancer, suivre, suivre, on est à 4 pour 2. Tyrion qui saute sur Dex. Suivre la carte 5. Sachant que j'ai pas lu le pitch, alors vous faites vraiment au pif. Allez, on suit la carte, plus personne ne parle. Adjugé vendu, suivre la carte. C'est la carte, et 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 la carte. Objectif validé pour la gêne prune. On a été tellement rapide pour cette génération-là au final. Alors, le tunnel. Est-ce qu'on doit aller dans le tunnel? À vous de me dire. Maintenant, on s'en fout, j'ai envie de te dire, mais je vérifie. Hein. Génération prune.
Maximum de la compétence danse ainsi que deux autres compétences de votre choix. Atteindre au moins le niveau 8 de 6 compétences. Ça, c'est bon. L'aspiration Sims au multiple talent. C'est bon. Divorcer, se remarier avec un même Sims. C'est bon. Vivre dans trois mondes différents au cours de votre vie. C'est bon. On n'aura jamais été aussi rapide à faire une génération. Donc je suis ravie. On y va dans le tunnel. Allez. Bon ben voilà, maintenant on va s'occuper des enfants. Trop fort. On est trop fort. On a trouvé quelque chose, est-ce qu'on ouvre la boîte ou on l'emmène dans la fusée? Pareil, c'est vous qui me dites. Non, bah la troisième carrière, on l'a fait, c'est celle d'artiste, même si elle n'a pas encore été travaillée. En fait, elle a la carrière fast-food, je sais pas quoi, c'est celle qu'elle avait en étant adolescente. Elle a été dans la médecine, et maintenant elle est artiste. Donc on y est, on a tout fait. Alors, on l'ouvre, on l'ouvre, on l'ouvre, on l'ouvre, on l'emmène. Donc nous l'ouvrons. Allez ma petite biche. C'est dodo maintenant. Voilà, là t'arrives à mettre l'assiette là. Mon salon il est trop petit, hein. Ils n'arrivent pas à passer. Est-ce que là elle était là, il faut qu'elle fasse le tour par là au lieu d'aller par là. Dans cette baraque, il n'y a rien qui va quoi. Trésor trouvé! Est-ce qu'on parle à l'enfant ou est-ce qu'on fuit? Oui, je ne lis plus les trucs, moi c'est fini, je ne lis plus rien. C'est quoi? Quel enfant? Là, on entend un cœur de minuscule voix implorante, cela ne peut pas mal écouter une ou deux invocations. Bon bref, est-ce qu'on parle à l'enfant ou on se casse? On parle, fuir, fuir. Mais du coup, comment tu as réussi à valider l'aspiration? Je croyais que c'était niveau 3 de 3 carrières. Oui? Bah j'ai eu le niveau 3 en fast-food, j'ai eu le niveau 3 en machin. Bah, en tout cas, ça me l'a validé, donc... Attends, on va voir après. Alors... 1, 2, 3, 4 pour fuir et 3 parle. Attention. On fuit ou on parle? On fuit ou on parle? Plus personne ne vote? Ah ben ça m'arrange pas, ça fait... Et ça fait parle, allez hop, c'est parler. Parlons à l'enfant. Son aspiration, elle est validée, hein. Niveau 3 dans 3 carrières. Je peux pas te... Je sais pas. Oui, c'est vrai qu'elle a fait que 2 carrières. Je ne sais pas. Écoute, ça me l'a validé déjà. Écoute, voilà. Moi, j'ai envie de dire tant mieux. C'est validé, c'est validé. C'est le jeu qui a validé, hein, c'est pas moi. Ah, il s'en est fallu peu. Allez. Il a trouvé une pierre spatiale. Mais c'est merveilleux! Tu vas rentrer, tu vas épicer. Et puis tu iras te coucher. Et nous, on terminera là. À plus de 2 heures de live. 2h03. Bravo, Lila! On a fini ta génération. C'est pas possible. Oh là là là, elle est toujours hébétée. Elle est... Voilà, y'a rien qui va. Y'a rien qui va, ma cocotte. J'en suis désolée. Ah, ça fait du bien de pisser quand même, hein, après toutes ces aventures. Une fois que je veux... Non mais c'est vrai, mais ça me paraissait logique. C'est bizarre. En vrai, c'est bizarre. Niveau 3 dans 2 carrières. Atteindre niveau 8 dans 6 compétences, donc ça c'est ok. Et ça me l'a validé, moi je... Voilà, hein. Après, si vous voulez, on le fera à l'artiste au niveau 3, s'il faut, c'est pas un problème. Comme ça, on validera réellement, mais là, on a fini là, quand même le truc, quoi, officiellement. Et c'est la journée de Jordan Cuirat, et ce sera pour la semaine prochaine. Moi, j'enregistre là. Merci de m'avoir regardé YouTube pour cette rediffusion pleine de rebondissements. Ça y est. La génération prune est officiellement terminée, bien en avance. Donc du coup, on va pouvoir se consacrer aux enfants orange.
partir de maintenant. Donc, avec... qu'est-ce qu'on va leur faire faire? Je sais pas trop. Comme ils sont malveillants, criminels et tout, on pourra commencer peut-être très tôt, dès l'adolescence, à bûchonner, bûchonner sur tout ça. Bref, moi, je vous fais des bisous. Je vous dis à la